comme les lutins n'avaient pas fait de grosses bêtises depuis des jours, j'ai voulu marquer le coup. J'ai vu sur le compte d'une américaine qu'elle avait mis un lutin au congèle. J'ai trouvé l'idée super sympa, alors j'ai fait pareil. Le souci, c'est que ma blague, elle a tourné au désastre. Après quelques jours au congèle, je l'ai enfin libéré et j'ai mis les lutins en scène. Toujours le même, le souffre-douleur des copains, ça devient de l'harcèle lutin. Oh putain, je suis trop forte. Une fois ma connerie mise en place, je me suis dépêchée d'aller prévenir les enfants. Les lutins, ils ont fait un truc de fou! Les petites se sont précipitées dans la cuisine. Quand elles ont vu ça, elles ont compris que les lutins avaient fait fort. Ocelia vénère, elle a balancé les deux autres. Ah ouais, quand même. Et en voulant libérer le lutin, elle a juste failli exploser la table. On est donc allé dehors, c'est plus sécuritaire, mais son pull s'est retrouvé attaché à la glace. C'est avec l'eau du tapis d'entrée qu'on a réussi à le détacher. Suite à ça, on a essayé de casser la glace, mais on voulait pas faire du mal au lutin, alors j'ai pris la glace et je l'ai balancé. Je me suis dit que ça casserait la glace. Mais ça a cassé le lutin. M'a décapité le lutin. Là, c'était clairement dramatique. On venait de mettre fin à sa vie. On a encore essayé de le libérer, mais vraiment sans succès. Je me suis donc dit qu'on allait essayer de le mettre dans l'eau chaude. Et voilà, maintenant que le lutin est libéré de la glace, on va pouvoir l'emmener aux urgences.